Ici, on est au garage 404 à Saint-Étienne. On travaille essentiellement sur des ateliers dans le numérique et en partenariat avec Pôle emploi, on a créé le programme Boost Emploi. Ça s'adresse aux demandeurs d'emploi de longue voire très longue durée. C'est une lutte contre la fracture du numérique et booster le développement personnel, reprendre confiance en soi. Alors, la formation se passe sur 3 mois. Donc on démarre sur, au départ, tout ce qui est manipulation d'un ordinateur, gérer toutes les bases de l'informatique, envoyer un mail, joindre une pièce jointe, parce que c'est l'essentiel et trouver du travail sans ça, c'est très compliqué. On a 3 semaines de stage en entreprise. Et en plus, nous proposons aux apprenants 6 jours de découverte métier, vraiment en immersion. On axe aussi beaucoup notre programme sur le comportement, les savoir-être. Pour travailler ça, souvent on le fait sous forme de jeu de rôle. On a aussi des intervenants qui viennent nous voir pour faire bouger un petit peu les choses. L'après-midi, on peut aussi avoir des activités plus ludiques. Donc on a des fabrications de robots avec des briques en plastique. Tout l'assemblage est décrit sur le tableau et par la suite, ils doivent le programmer à l'aide des instructions sur l'ordinateur. L'idée, c'est l'autonomie. C'est super intéressant parce que pour la première session, une vraie solidarité s'est créée. Tous ceux qui savent bien faire aident ceux qui savent moins faire. Et on s'aperçoit qu'en fait, chacun a sa petite pierre à ramener à l'édifice et c'est hyper constructif. Ce que j'attendais de cette formation, c'est déjà pouvoir me re-sociabiliser avec d'autres personnes. Et je voulais avoir un encadrement, on va dire, avec des formateurs, me former et reprendre un rythme de travail, quoi, avant le travail. Je connais le métier de l'informatique, mais je ne l'ai jamais utilisé. Moi, je n'arrivais pas à ce monde-là. C'est vraiment c'est un petit handicap. Maintenant, je peux, par exemple, directement brancher, allumer, rentrer chez Google pour regarder, par exemple, des offres d'emploi. C'est facile. Je peux faire, par exemple, le CV tout seul ou même une lettre de motivation. On a écrit sur l'ordinateur. J'arrive à me débrouiller. J'ai dit, je suis avancé quand même dans quelque chose quand même. C'est pas rien ou quoi, cette formation. Et ça va m'aider beaucoup quand même. Au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je le dis franchement, parce que moi, j'ai travaillé sur des ordinateurs depuis longtemps et tout. Et puis, à un moment donné, on voit qu'on est à tous des niveaux différents. Et je me suis pris au jeu d'aider ceux qui ne savaient pas. Ça m'a apporté plus de confiance en moi. On se rend compte d'autres capacités que l'on peut avoir. Et mon stage, je le fais dans un centre de formation comme future formatrice. Et je m'engage vers ce métier maintenant avec enthousiasme. Boost Emploi, c'est une formation que je recommande clairement pour des gens qui peut-être à un moment donné ont des accidents de parcours et puis ont envie d'être très encadrés et avoir une formation avec des gens qui sont des professionnels, quoi. Ça a été enrichissant pour nous. Ouais.